recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes, un mec. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du beat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cet entraînement. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos vidéos. Allez, c'est parti pour l'échauffement aujourd'hui. 5 minutes seulement, 1 minute par mouvement. On démarrera avec de la course sur place. Simplement, pensez à essayer de lever les genoux, faire état vos fesses pendant 1 minute, histoire de faire monter le cœur. Après ça, on fera 1 minute position de down dog. Ici, on démarrera en position ponce avant de venir lever les fesses, pousser la tête entre les épaules. 1 minute de fente. Après ça, ici, on essaiera de poser le genou au sol et de repousser pour revenir debout. Vous pouvez utiliser un coussin pour être sûr de ne pas taper votre genou sur le sol. On enchaînera avec 1 minute de deadlift. Ici, peu importe votre gêne, pensez à garder les hanches hautes et le dos bien droit. On essaiera de se concentrer sur l'activation de la chaîne postérieure, des ischios et des fessiers. Enfin, on va terminer avec 1 minute de mountain climber. Essayez de bien garder les épaules au-dessus des mains, que vous le fassiez en courant ou en marchant. Allez, on est bon pour notre échauffement, on va pouvoir s'attaquer à l'entraînement du jour. Aujourd'hui, un rap de 10 minutes dans lequel il faudra répéter le maximum de tours. On aura 3 mouvements dans cet rap. Le deadlift, des hops over notre objet et enfin les push press. Pour les répétitions, on aura 10 deadlifts, 20 hops over, 10 push press et enfin de nouveau 20 hops over. Pour le deadlift, comme pendant l'échauffement, essayez de garder les hanches assez hautes, le dos bien droit et activez votre chaîne postérieure. Pensez également à serrer vos abdominaux pour bien mettre votre dos en sécurité. Sur les hops over, vous créez une répétition à chaque fois que vous passez au-dessus de votre objet. Vous pouvez soit les faire en rebondissant pour aller plus vite, soit prendre un petit temps d'arrêt au sol pour aller un petit peu moins vite et mieux respirer. Pour les push press, la charge commencera sur vos clavicules. Il faudra pousser au-dessus de la tête avec l'aide des jambes. Rappelez-vous, 80% de votre puissance sur ce mouvement partira des jambes. En haut, on gardera les bras bien tendus et le corps bien aligné. L'objectif sur cet arm wrap pour les RX, réaliser 8 tours plus les intermédiaires 6 à 7 tours et les débutants au moins 5 reps. Essayez d'être unbroken sur les deadlifts et les push press. Utilisez le hops over comme un mouvement de repos ou de transition. Le petit défi sur cette séance, ne prenez pas plus de 15 secondes de repos entre chaque mouvement. Je vous souhaite bon courage pour cet entraînement. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et moi, je vous dis à très vite.